très loin. On y est presque, Jessica, c'est pas loin. Allez, un petit effort. Voici, on y est. C'est l'arbre au songe. Jessica, regarde-moi ces jolies fleurs. Oui, et ça, c'est une liane tropicale. Elle est aussi forte que ton âme et ses vertus sont innombrables. Attends, je vais te faire une couronne. La couronne des rêves. Tu sais, ça remonte à la création. Certains disent que Dieu en a mis une sur sa tête, qu'il a rêvé l'univers et nous sommes là. Tiens, Kelly, mets-la et monte sur le rocher. J'ai des doutes, Trelawney. Je ne mets même pas de chapeau en papier au carnaval parce que je trouve ça ridicule, alors. Kelly, écoute, est-ce que ce n'est pas toi qui voulais voir tes rêves se concrétiser? Ce n'est pas toi qui es venue me raconter les déceptions de ta vie amoureuse? Allez, Kelly, ce sera amusant. J'en mettrai une aussi. C'est ça. Attends, je vais t'en faire une, ma petite chérie. Allez, viens, Jessica. Grimpe sur le rocher. Tiens, mets-la sur ta tête. Et tournez-vous toutes les deux vers l'ouest, là où le soleil va trouver son sommeil. Ça aurait été bien que papa et oncle Brou soient là. Je suis sûre que certains de leurs rêves se sont pas concrétisés. Est-ce que tu imagines ton père avec une couronne? Ça m'étonnerait. Et maintenant, au travail, regardez le soleil. Vous fermez les yeux et vous laissez doucement les rêves vous envahir. Venez, rêve, viens, sommeil. Léa, Aquila, voléa, voléa, Léa, Aquila, voléa, voléa. Ne triche pas, Jessie. Voléa, venez, rêve, viens, sommeil. Volé, voléa, Aquila, volé, voléa, Aquila. Rêve, venez, Léa, Aquila, venez, rêve. Viens, sommeil, venez, rêve. De la conduite téléguidée. Conduite téléguidée activée. Attachez-vous bien, comme ça. Transformation de combat en cours. Protection en place. Carrément l'enfer dehors. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge.
Il nous montre l'hospitalité orientale. Pas pour longtemps. Ordinateur de Thunder, ici Brew. 1, 3, 2, 7. Fais apparaître les différents points où se trouvent les canons de l'ennemi sur l'écran. Recherche. J'aime pas la façon dont ils traitent nos scarabées. Il est temps de leur apprendre les bonnes manières. D'accord, on y va. Il est en train d'ajuster ses coups. Je sens qu'on va finir en tagine, mon vieux. Ne sois pas si pressé, je suis presque arrivé à localiser la cible principale. Cible localisée. Encore un qui a acheté son permis de chasse. Charge les trois lanceurs latéraux pour tirer sur la cible. Lanceur 2, opérationnel, autre lanceur endommagé. Oh, quel poids espèce! Les lanceurs sont tous fichus sauf un. Montre-moi la cible et charge le lanceur de missiles opérationnels. Ajuste la cible, passe outre aux ordres, modification tactique. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois viser le tireur, pas le bâtiment des munitions. Cible modifiée, localisée. Où est-ce que tu l'envoies, ce missile? On n'a pas vraiment le temps de jouer. Mais j'y suis pour rien, l'ordinateur vise le bâtiment des munitions au lieu de l'homme qui lance les projectiles. Il ne reste plus qu'une chose à faire maintenant, vieux. Je vais prendre le contrôle. Quoi? Lancement manuel, je prends le contrôle. Fais ce que je te dis, crois-moi. Lancement manuel, prise de contrôle. D'accord. Prise de contrôle manuel, changement de cible. Prise de contrôle, lancement manuel. Cible neutralisée. Eh ben voilà. Tu vois, c'est le vieux Brew Baker qui avait raison. Danger détecté. Nouvelle arme cherchant cible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cible localisée, Thunder. Bon sang, qu'est-ce que c'est, d'où ça peut venir? Mais qu'est-ce que nous... Propulsion endommagée, tactique de fuite impossible, destruction inévitable. Espèce, on est foutu! Je voulais un peu d'eau. Eh ben, t'en as fait du boucan juste pour un verre d'eau. Tu veux pas en parler, c'est sûr? Je te l'ai dit, c'est rien, rien du tout. Tu peux retourner te coucher. Où est-ce que t'as trouvé ce truc-là? Ça, c'est quelques fleurs que Trelawney m'a données. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Je vais avoir une petite conversation avec Trelawney dès demain matin. Et toi, tu vas te rendormir et oublier tout ça. Je vais essayer. Mais j'espère que Kelly fait un beau rêve, elle, et non un cauchemar. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Et mon œil. Reconnaît toujours le parfait amour.
sa quête pour le trouver et sa vie. Ma quête s'arrête ici. Avec vous, Kelly. Et la mienne avec vous. Mogador. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas partir immédiatement. Je ne resterai pas là. Tu restes là, prince, et tu pourras voir ton royaume s'effondrer, à moins que tu n'aies trouvé un moyen de me montrer le respect que tu dois. Tu n'es qu'un barbare, et on ne peut pas avoir confiance en toi. Peut-être pas, non. Mais en revanche, il possède tout un arsenal de canons et d'artillerie cachés quelque part dans le désert. Des canons qui, il l'a prouvé de façon dramatique, peuvent vous détruire en l'espace de quelques heures. Et le bombardement d'aujourd'hui n'était qu'un avertissement. Comme héritier de mon trône est dans la balance. Qu'est-ce qui peut être plus important pour retenir ainsi ton attention? La réponse. Et où est-elle donc, cette réponse? Non loin d'un château blanc, sur une plage. Celui-là, il est pour vous. Amusez-vous bien. J'ai pas vu Alex aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait, tu crois? Bah tiens, il est là-bas. La couronne des rêves t'a donné beaucoup à penser, n'est-ce pas, chère Kelly? Tu as peut-être partagé un rêve très doux avec un nouveau partenaire. Juste pendant une minute. Quand ça a commencé à devenir intéressant, d'un seul coup, il a disparu. Tu dis que le rêve n'a pas eu de fin? Ça, c'est pas bon. Et fais attention. Ça peut être réellement dangereux quand un rêve ne se déroule pas jusqu'à la fin. Oh, mon chou. Mon rêve se déroulait de la façon la plus agréable qui soit. Ah, oh. Fais gaffe, Trelawney. Voilà l'orage. Tout est foutu, bobard, sur les rêves. Ça suffit comme ça, Trelawney. T'entends? Jessica a pas dormi à cause des cauchemars. Oh là, on se calme, Spence. Sais-tu que la couronne des rêves est une puissante médecine? Si elle provoque des cauchemars, tu devrais écouter ce que racontent ces cauchemars. Jess a eu tellement peur qu'elle refuse d'en parler. L'âme humaine reconnaît toujours le parfait amour.
sa quête pour le trouver est toute la vie. Ma quête s'arrête ici, avec vous. Oh, et la mienne avec vous. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On m'appelle le prince Aramur, et un rêve partagé chez nous est une chose aussi banale que le lever du soleil. Kismet. À toutes les sornettes que je... Hé, hey, vous, le soi-disant chèque en blanc! J'ai entendu des baratins dans ma vie, mais vous, vous êtes le champion de la tchatche! Oh! Bon, alors, maintenant, ça suffit! Fini de roucouler, là! Oh, salut! Hey, qu'est-ce que vous faites? Non! Non! Oh! Spence, Bruce, ce n'est pas ce que vous croyez. Ah non! Non, je veux... Quand de parfaits étrangers envahissent ma plage en tenant d'énormes couteaux avec des intentions agressives, je deviens un peu nerveux. Il est parfait, mais ce n'est pas un étranger. Je ne peux pas vous expliquer, voilà tout. Je sais que ça doit vous sembler étrange à tous les deux, mais vous devez me laisser agir. Faites-moi confiance, je vous en prie. Ils ont partagé le même rêve, vous comprenez? Et comme je vous l'ai dit, la couronne des rêves est une puissante médecine. Quelque chose ne va pas? Oh, oh non, non, ce n'est rien. C'est idiot. Toute ma vie, j'ai eu peur quand quelque chose de bien m'arrivait. Plus haut vous vous envolez, plus la chute est cruelle. Que ressentez-vous entre mes mains? Une force tendre. Des mains qui ne me laisseront pas tomber.
C'est la coutume chez vous d'inviter quelqu'un à prendre le café. Sans vouloir manquer de respect envers votre beau pays, le café en Tananasie du Nord a le goût délicieux de la fleur sauvage. Venez avec moi, ma chérie. Demain, goûtez la fleur sauvage. Allons, voyons les amis, on dirait que je pars pour la guerre. C'est juste une aventure. J'en viendrai. Ton cœur a décidé? Mon cœur? Oui, on peut appeler ça comme ça. Tiens, prends ça. Et écoute-moi, si jamais il t'arrivait quelque chose, utilise-le. Tu nous appelles, on sera là. Tu le feras. Entendu. Tu vas me manquer. Merci, Bru. C'est à toi de ta tête et pas seulement de ton cœur. Vous êtes des romantiques, vous alors. Viens faire une grosse bise. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait un calcul. Figure-toi que j'ai déjà dormi 42 897 heures. Alors tu vois, je crois que j'ai dormi plus qu'assez pour une vie toute entière. T'as vraiment pas envie de refaire ce rêve, hein? Je suis plus fatiguée maintenant, plus du tout. C'est vrai? T'es peut-être plus fatiguée, mais moi je le suis. Allez, viens, championne. Ah. Allez, hop. Bonne nuit, je te fais un bisou. Et maintenant, dors bien. Thank you.
vous faites, vous. Il célèbre votre arrivée ici. Mais il faut ça avec toutes les filles que vous amenez chez vous. En fait, vous êtes la première. On appelle un accueil royal, n'est-ce pas? Celui-là n'a rien qui puisse t'effrayer. Attends, ça devient affreux. Vous amenez la femme sur Thunder, mais oncle Brou, en manœuvrant, faisait une erreur. Là, nous savons que ça n'a rien de réel parce que je ne fais jamais d'erreur. En fait, j'en ai quand même fait une fois. C'était en avril de l'année 73. J'ai demandé à Linda Tinto de devenir ma petite amie. Elle était ceinture noire de judo. Moi, j'avais de l'ambition. Il y avait cet énorme canon qui vous tirait dessus. L'ordinateur, lui, voulait que vous tiriez sur... et vous avez refusé de faire ce qu'il voulait et il a explosé le bateau. Eh bien, les rêves sont finis maintenant. Il n'y a plus de mystère. Alors, si tu retournais au lit et si tu fermais tes yeux, oncle Beau et moi, on resterait ici jusqu'à ce que tu sois endormi et je te ferai une de mes méga séances de grattement dans le dos. Et tout ira pour le mieux, tu verras. Je ne peux pas accepter. Mais vous devez, c'est la tradition. Toutes les femmes de Tananasi du Nord portent ce genre de vêtements. Le jour de leur mariage. Vous ne perdez pas de temps, vous. Où est-ce que je vois? C'est parce qu'il n'y en a pas à perdre. Le destin de mon royaume en dépend.
Kelly. Vous et moi, nous avons partagé le même rêve. Et ce rêve m'a donné le moyen de sauver mon pays. Laissez-moi passer. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qui est-ce? C'est une minute difficile. La souffrance dans mon cœur est brutale comme un coup de poignard. Mais laissez-moi vous expliquer. Dans le but de prouver mon allégeance à Mogador, le seigneur de la guerre, je dois lui sacrifier le plus précieux de mes trésors. Et quel plus grand sacrifice peut-il y avoir que l'abandon de mon rêve? De mon trésor. De mon Kismet. Attendez! Je ne suis nullement votre trésor. Ça, ce n'est pas mon avis. Vous allez épouser Mogador. Demain. Ça aussi, c'est Kismet. Vous croyez ça? Spence, venez vite! Venez, allons-y! Donnez-moi ça! Trelawney va lui dire de rester avec Jazzy. Attendez, si Kelly est en danger, ça veut dire que la femme de mon rêve, c'était elle. Et si vous y allez, vous exploserez avec Sander, j'en suis sûre. Vous ne devez pas y aller, je veux pas. Tout ira bien, Jess, t'en fais pas. Nous devons sauver Kelly. Et puis de toute façon, c'était un rêve. Et les rêves changent à chaque fois. Trelawney nous a donné rendez-vous à la plage ce matin. Tenez les hommes, prenez ça. Je vous ai fait de quoi vous nourrir pendant le voyage. Ça vous donnera force et sagesse à tous les deux. Hé, hey, Trelawney, c'est quoi ça? C'est ma sauce très relevée. Elle vous rendra service très souvent. Ah, je croyais pas que la nourriture était fade là-bas. Attends, papa, je viens avec vous. Jess, tu sais bien que tu peux pas venir avec nous. Mais je sais que je pourrais vous aider parce que je vous ai pas parlé de la turbine et du fil. Et puis, je me doute que vous avez oublié l'affaire du tapis volant avec le tic dessus. Écoute, chérie, dis-nous ce que tu as vu d'autre dans ton rêve. Bruce s'en souviendra et on y prendra garde. D'accord. Avant l'histoire du tapis volant, vous étiez enfermé dans une pièce sombre avec plein d'étincelles autour de vous. Ensuite, vous mettiez la sauce de Trelawney sur votre nourriture. Et puis, il y avait une turbine à eau. Et puis, vous vous êtes cogné dans un chameau sur le toit. Vous n'allez pas faire ça. J'ai ma propre vie dans mon pays. Vous ne pouvez pas l'effacer de ma mémoire. Et notre rêve. Notre rêve est le même. Seulement, il est fini. Il s'est terminé avec le bruit des canons de Mogador et de son armée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vous céder à lui pouvait sauver mon pays. Il y a sûrement un autre moyen. Non, c'est le seul moyen. Thank you.
Les rêves ne changent pas. Préparez-la pour la cérémonie. Non, ne me touchez pas. Je vous en prie, garde. Voulez-vous me lâcher? Kelly. Comme je l'ai dit, préparez-la pour la cérémonie. La Tananasie du Nord. Qu'est-ce que t'en penses? Près de la turbine, ce sera le mieux. La turbine? Il était question d'une turbine dans le rêve de Jess, n'est-ce pas? Coïncidence. Je vais aller rassembler l'équipement avant qu'on aborde. N'oublie pas les cordes et les grappins, surtout. Ah, oh, tout y est. Qui se mettent, mon vieux. C'est plutôt le genre mariage à la baguette. Amène-toi. Un peu, ouais. Oh, votre majesté, c'est une grande fiesta, mais je crois qu'il est temps pour nous de se barrer. Tu oses refuser les cadeaux de notre roi? Tu vas mourir. Girls look pretty, ooh, they look nice. I can smell a coco lotion in the air.